Là, nous sommes sur le plateau de Morlanwé, presque désert, ce sont les vacances, mais quand les élèves et les profs sont partis, d'autres squattent le bâtiment, vous allez voir. Et c'est ici, dans le grand hall, que ça se passe. D'un côté, l'atelier couture, et de l'autre, comment dire, le salon des vacances. Monsieur, vous allez vous lancer dans la plongée ? Eh oui, hein, voilà, c'est les vacances et donc on va, comme Jules Verne, descendre dans les fonds marins et je m'équipe. Un équipement ultra léger, on n'est plus à l'âge de bronze, grâce à ce matériau qui se plie à toutes les envies. C'est de la mousse Eva, donc c'est une mousse qui se définit sur différentes épaisseurs et densités. Les grises sont d'une densité plus forte qui permet de faire des structures un peu plus rigides. Certaines personnes font des armures pour participer par exemple à des jeux grandeur nature. C'est moins lourd que la ferraille. Bah, voilà, et ce qui est bien, c'est que quand on le travaille avec de la peinture par la suite, parce que bon là c'est la structure de base, on va devoir l'enduire d'un primaire qui va rendre la structure souple et qui par la suite pourra être décorée d'acrylique. Philippe, là, il va imiter un peu le bronze ou le cuivre du rendu du scaphandre d'origine. Et on se laisse prendre. À chacun son inspiration. Ici, le masque de Dark Vador. Faut être protégé. Quand même, oui, pour les émanations de colle. Là-bas, celui d'Yves Van Lathem. Moi, je suis en train de réaliser une faucille, mais la lame est un clavier de piano. Une faucille, pourquoi ? Parce que je fais du cosplay et j'ai besoin de cet accessoire pour compléter un cosplay que je suis en train de faire. C'est un costume de quoi ? C'est un personnage qui vient d'un manga Soul Eater, qui s'appelle de Atsushi Okubo. Et voilà, je suis grand fan, donc j'ai eu envie de me lancer là-dedans et de réaliser ce cosplay avec ce personnage. Chaque personne est venue ici avec un projet. Oui, j'ai au préalable demandé, comme ça c'est toujours gai de pouvoir réaliser quelque chose qu'on a envie. Découvrir, chipoter, c'est chouette, mais quand on a un objectif, c'est plus porteur. Pour moi, comme j'expliquais, c'est une petite Madeleine de Proust parce que j'ai vécu toute mon enfance le long du canal du Centre, le canal historique du Centre. Et à l'époque, dans les années, début des années 60, je voyais des péniches en difficulté qui avaient des problèmes et je voyais ces scaphandriers descendre dans le canal et ça me fascinait tout le temps. Et j'aime bien l'univers de Jules Verne, donc je me suis dit, lançons-nous dans un projet tel que celui-là. Quand on aime bien, on travaille bien, quoi, voilà. Et on prend autant de plaisir à fabriquer qu'à porter le déguisement ? Oui, vraiment, oui. C'est ça que je trouve très intéressant là-dedans, c'est la fabrication, tout ce qui relève de la conception. C'est ça qui me plaît le plus, je pense, dans le cosplay d'ailleurs. Au début, je pensais que vous jouiez au football, mais non, en fait... Et je suis en train de concevoir un chapeau. Et donc le ballon sert de moule de base, puisque en fait, j'ai pris avec du papier collant la forme de ma tête. Donc voilà, donc à chaque fois ici, c'est découpé. Et puis ensuite, on l'a reporté sur la mousse Eva. Et le ballon est là pour le thermoformage, en fait. Donc voilà, pour chauffer, pour donner la forme principale. Ensuite, chaque forme va être assemblée sur la forme qui a servi à faire le moulage de ma tête. C'est un chapeau de soleil pour l'été ? Pas vraiment, plutôt décoratif. Mais voilà, c'est plutôt pour s'exercer à la technique. Et, moi, je suis prof d'art plastique, donc ça va me servir aussi pour les élèves qui aiment bien le cosplay aussi, pour les initier à de nouvelles techniques et de nouvelles façons de faire. Allez, on passe maintenant du côté de l'atelier couture. Attention, ça pique. J'ai fait 2 trousses et 2 tote bags pour le moment. Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Je vais offrir à mes filles, chacune une trousse personnalisée. Et puis voilà, je suis contente parce que ma machine était un peu un extraterrestre et maintenant je me sens beaucoup plus à l'aise, même pour me lancer après vers d'autres choses. Et j'ai envie de continuer. J'aimerais bien qu'il y ait des ateliers comme ça plus souvent. Vous faites souvent de la couture ? Absolument pas. Ma grand-mère était couturière, mais moi je ne savais pas du tout. Mais ça m'intéresse, j'aime bien les loisirs créatifs de manière générale et une machine, c'est quand même génial. Vous faites une exposition ? Non, du tout. En fait, je confectionne des pièces pour les participants, justement, pour leur montrer des modèles. Et des sacs, des trousses, etc. Et par rapport à ça, s'ils veulent confectionner une trousse, voilà, j'ai les patrons.
On utilise la récup aussi parce que bon. C'est ça le principe, c'est de prendre un peu tout et n'importe quoi. Oui, parce que bon, à partir de récup, on peut vraiment réaliser énormément de choses. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, au départ, ça devait être un porte-carte. Je pense qu'il va me servir à mettre les pièces de 1 et 2 cents qu'on n'utilise plus. Oui, vous avez visé un peu trop petit. Non, l'épaisseur du tissu, les coutures. Et puis le patron était imprimé. Et donc l'imprimante n'a pas respecté l'échelle 1-1. Donc je suis parti d'un patron trop petit, avec des fils trop gros. Enfin, et donc voilà. Vous faites vos débuts en couture? Ah oui, j'avais jamais approché une machine de ma vie. Donc maintenant, je sais mettre le fil. J'ai commencé avec du vert, maintenant je suis arrivé au bleu. Demain, j'essaierai avec du rouge. Et qu'est-ce qui vous a pris d'essayer? Un peu un défi. Et puis, je suis voyageur à vélo et le matériel coûte horriblement cher. Et je me suis dit, il y a des trucs que je ne trouve pas, que je pourrais faire moi-même. Du genre sac à vélo Sac à vélo, je roule à vélo couché, donc j'ai des sacs comme des bananes sur le côté. Bon, ça coûte 300 euros la paire de sacs. Vous allez voyager cet été? Pas beaucoup cet été, mais l'an prochain, prévu le Maroc et l'année d'après la Chine. Donc, La route de la soie. La route de la soie, je l'avais tenté avec le Suntrip. Je l'avais tenté en 2018, je suis arrivé en Ukraine et j'essaierai d'aller plus loin. Hein.